10 jeunes de 13 ans, 7 garçons et 3 filles qui sont personnellement atteints, touchés chez leurs proches par les maladies digestives. Ils font les 50 derniers kilomètres de l'étape de chaque jour sur une durée d'une semaine environ. Ils sont des garçons et filles de club et qui font de la compétition. Là, on a fait bien sûr des gens qui sont reconnaître les besoins de recherche fondamentale concernant les pathologies digestives et la nutrition du Tour de France. Donc voilà, faire connaître cette fondation, c'est important. Et on rappelle que le team et ces événements, depuis 2009, un team sportif a été mis en place. Soigner les maladies digestives.